Même lorsqu'il est en déplacement loin de sa tendre et chère, le prince Harry a une pensée pour Meghan Markle et leur enfant Archie. Samedi 2 novembre, il a assisté à la finale de la Coupe du Monde de rugby entre l'Angleterre et l'Afrique du Sud, remportée par les seconds, et le duc de Sussex a eu une pensée pour sa femme. Le moins que l'on puisse dire c'est qu'il a eu beaucoup de succès. Alors qu'il visitait un nouveau centre de formation para-arena, un étudiant l'a arrêté pour lui dire qu'il était vraiment beau. Une gentille remarque à laquelle le prince Harry a répondu avec beaucoup d'humour en montrant son alliance, « Désolé, je suis marié ». Cette réponse a beaucoup fait rire les étudiants présents à ses côtés. Même si elle n'est pas présente physiquement, Meghan Markle est dans le cœur du duc. Donnons-leur de l'espace face aux tabloïdes du monde entier, le prince Harry et l'ancienne actrice font face, même si cette dernière n'a pas caché qu'elle supportait très mal la pression médiatique associée à son rôle. Paul Burrell, ancien majordome de Lady Diana, s'est montré assez inquiet pour la duchesse. Meghan ne fait partie de la famille royale que depuis un an seulement. Elle est devenue royale, mère et épouse en quelques mois. Si est-il beaucoup, beaucoup lui ont demandé. Meghan et Harry sont deux êtres humains qui sont tombés amoureux. N'oublions pas qu'il s'agit d'un jeune couple qui cherche encore à trouver leur place dans ce monde, un peu comme tous les jeunes couples qui démarrent. Donnons-leur du temps, de l'espace, de l'oxygène. Thank you.